À la requête du parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant. Le mercredi 24 septembre 2014, entre 5h20 et 5h30 du matin, un vol à main armée a été commis dans le magasin Proxy de l'Est situé à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Georges-Henri. Trois auteurs arrivent à proximité du commerce à bord d'une Volkswagen Golf grise modèle 5 ou 6. Ils se stationnent devant l'entrée du Bricot en direction de l'avenue des Tongres face au Proxy de l'Aise. Lorsque le gérant arrive devant la porte d'entrée du personnel, les auteurs se ruent vers lui. Ils pénètrent dans le commerce sous la menace d'un pistolet argenté. Le gérant est contraint d'ouvrir les coffres et de remettre l'argent aux malfrats. Une fois l'argent en leur possession, les malfrats ont rebroussé chemin. Ils se sont retrouvés face à une porte close, sans remarquer la présence d'un ouvre-porte automatique. Ils ont alors forcé la porte du magasin pour prendre finalement la fuite à bord de leur véhicule. Au minimum, deux précieux témoins ont assisté à la fuite des auteurs. Il s'agit d'une dame promenant son chien et d'un homme que l'on distingue sur ces images. Les auteurs s'exprimaient entre eux en langue arabe. Le premier auteur était armé d'un pistolet argenté. Il mesure approximativement 1m65 et est de corpulence mince. Il est âgé de 20 à 30 ans. Il a le visage fin, il porte une barbe et une moustache de plusieurs jours. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon jeans gris, d'un pull foncé muni d'un logo blanc de forme arrondie au centre de la poitrine, d'une casquette blanche et d'un passe-montagne noir. Le second auteur mesure approximativement 1m85 et est de corpulence mince. Il était vêtu d'un pull à capuche bleue avec les bords de la capuche rouge et des inscriptions rouges sur le torse. Il portait une casquette beige. Le troisième auteur mesure environ 1m70 et est de corpulence fine. Il portait un pull à capuche gris clair, un pantalon training foncé avec des bandes latérales blanches. Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.